extrêmement bien documenté, avec des gens facilement joignables pour poser des questions, par exemple via l'IRC ou email. Ça commence à devenir beaucoup plus abordable et des réseaux GSM expérimentaux peuvent se monter plus facilement dans les labos. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas tout le monde qui peut le craquer, c'est quasiment craqué, et ça va pas tarder à se banaliser. Le plus gros de la recherche, je pense qu'il a été fait. Peut-être qu'une faille ou deux vont réussir à tomber dessus. Je pense que ces failles-là s'entendront à la complexité d'attaque en elle-même, de façon à la réduire et de pouvoir la mettre à calculer rapidement. Donc voilà, moi j'ai à peu près fini. Si quelqu'un a des questions, bien sûr, je suis ouvert. Ok. Je voulais juste remercier le CNP Lab et les organes du HES pour nous avoir invités, parmi par la conférence, et puis Wikipédia à qui j'ai piqué quelques images.